Bon, alors bonsoir. Euh, je suis habitué de faire des maintenant des présentations Zoom devant bien du monde qu'on ne voit pas, mais ce soir, j'ai le plaisir en grande partie de l'écouter. Euh, il y a quelque chose de très excitant dans Nouveau Voyage. On, on va d'ailleurs avoir une conférence surtout nos nouveaux voyages dans quelques semaines. Euh, on en a plusieurs, euh, Monténégro, euh, Norvège, euh, Lofoten, euh, la Grèce, euh, j'en oublie sûrement un ou deux. Euh, et puis le Japon ben, fait partie des nouveaux voyages. Premièrement, le mot voyage est excitant par les temps courts, puis le mot nouveau ben, l'est encore plus. Euh, donc, je vais apprendre beaucoup de choses sur le Japon en même temps que vous ce soir. J'ai un petit peu travaillé avec FX pour... Euh, Faire la conception du voyage, mais je n'ai qu'une connaissance très, très partielle du Japon. Par contre, connaissance de Caravanier, ça, je ne l'ai pas si mal. Je suis le, le fondateur de, de Caravanier. Euh, alors, je prends cinq minutes pour vous, euh, pour vous en parler. Je suis convaincu, il y a quelques-là, il va à peu près une centaine de personnes qui écoutent, mais il y a presque 200 personnes qui ont demandé d'avoir le lien et tout. Donc, c'est une conférence pour un seul, une seule destination très populaire. Euh, alors, je pense que ça va bien se remplir. Donc, euh, mais je tiens à, à présenter Caravanier pour des gens qui seraient pas euh, au fait de Caravanier, qui n'auraient pas voyagé avec nous. Euh, Caravanier, voyager et agir, c'est particulièrement important pour nous de faire les deux en même temps et au même niveau d'importance. Il euh, y a des pays comme le Japon, par exemple, où ça peut sembler un pays moderne, riche et tout, euh, euh, moins important de faire attention parce qu'ils ont de l'argent, c'est vrai, euh, mais ça ne mais ça, ça, ça nous enlève pas notre responsabilité de voyageur. Donc, dans ces responsabilités-là, bon, dans, dans le désordre, vu que c'est la diapo, l'équipe caravanier, et je ne vous présente pas en, en détail, mais en, quand vous voyez apparaître les gens, euh, C'est à la fois l'équipe du bureau et une partie de l'équipe sur le terrain. Et là, je ne parle pas des équipes locales. Euh, et donc, on est euh, entre 15 et 20 personnes, une dizaine de personnes du bureau en temps normal, plus euh, 10, 12, 15 guides à travers le monde. Euh, ce n'est pas une très petite entreprise, mais ce n'est quand même pas une grande entreprise. Ça nous permet, euh, je vous dirais, le plaisir d'être très près du terrain. Euh, et pas d'avoir de hiérarchie et de passer par plusieurs étapes avant de concevoir un voyage. Ça vous permet aussi de parler à des gens qui voyagent et qui souvent guident. Euh, mais l'équipe est quand même assez grosse et donc le, le chiffre d'affaires est quand même assez élevé pour nous permettre certaines ambitions, d'avoir des flottes de kayak au Groenland de développer. Euh, des voyages, par exemple, euh, au Japon, où, euh, où ça coûte quand même assez cher, donc il faut aller faire un tour. Euh, les salaires sont, sont conséquents, donc ça nous permet ça. Évidemment, parmi les gens très importants du bureau, il y a les chiens que vous voyez là. Donc, si vous venez au bureau, il y a des chances qu'ils soient là. Euh, je vous parlais aussi de, de, de l'éthique de voyage. C'est un terme très, très souvent galvaudé, parce qu'on va dire en voyage proche. Alors, tout le monde dit on fait attention. Et puis, tout le monde dit en plus, on met en application ce qu'on fait. Et, sauf qu'après ça, quand on pose des questions, bien, il faut voir parce que si on, si on, on propose, on dit on, nous, on est euh, carboneutre parce qu'on propose aux gens d'aller compenser, bien, vous excuserez le terme, mais c'est de la bullshit. Euh, alors, euh, ce, nous, euh, on, ce qu'on essaye, qu essaye de faire, ce n'est pas ce qu'on essaie de faire, ce qu'on fait, c'est qu'on impose ces compensations-là. Donc, depuis maintenant, 2008, donc depuis 14 ans, dans le prix des voyages sont inclus les crédits carbone complets. Essentiellement, c'est l'aérien. Hein? Et pour le Japon, ça va dépasser 100 dollars cette contribution. Donc, c'est pas rien. À ça, on ajoute 1% pour la planète. Donc, 1% de votre voyage va aussi aller à des, euh, à des, à des œuvres euh, sociales, mais avec un caractère environnemental, bien sûr. Sachez qu'on a fait ici une petit, euh, petite vignette en haut à droite de votre écran. Euh, les écoles, on a, on a un lien particulier avec le Népal où on a construit une école en 2001 et on a construit aussi en 2015, suite au tremblement de terre, un centre communautaire parasismique. Donc, euh, c'est des centaines de milliers de dollars qui sont allés au Népal, en dehors de planétaire et de 1 pour la planète. Avec si ça vous tente de venir au Népal, on a des très bons liens avec eux. Je termine en vous disant que les deux années n'ont pas été faciles pour personne dans le monde du voyage, mais ils ont été particulièrement difficiles pour nos équipes locales. Euh, et nous, on a redonné de l'argent, mais on demande aussi une aide supplémentaire. Donc, si ça vous tente de donner un petit coup de main pour aider nos équipes locales de partout à travers le monde, on ne parle pas du Japon particulièrement. Euh, donc, euh, vous allez recevoir un lien euh, demain ou après-demain sur euh, demander votre avis sur la conférence et tout. Euh, et puis, il y aura un lien pour euh, faire des dons alors, si vous pouvez le faire. Ce sera un plaisir. Donc, je laisse la parole à FX, mais euh, je prends un 30 secondes pour vous le présenter. La pandémie a des choses, a fait des, 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 des belles choses. Premièrement, nous permettre d'avoir assez de temps pour concevoir plusieurs nouveaux voyages. Euh, et comme on pouvait pas voyager, bien, il a fallu aller chercher des gens qui avaient d'abord, qui avaient déjà des expertises. Puis, euh, ben à travers l'écran, un peu comme vous autres, on a imaginé plein de choses, on a communiqué avec des gens un peu partout dans le monde. Euh, et c'est ce qui donne le voyage de ce soir. FX euh, travaillait pour une entreprise parallèle, disons ça. Euh, mais toujours quelqu'un avec qui on a toujours eu beaucoup, euh, beaucoup de respect pour euh, euh, la qualité de son travail, qui fit très bien avec Caravanier. Donc, depuis quand même quelques mois, euh, ça va bientôt faire un an, ben, il est avec nous. Euh, et puis, ben, ça fonctionne bien, on fait plein de nouveaux voyages. Donc, je te passe la parole fixe, j'arrête le partage d'écran, c'est à toi. Merci beaucoup Richard. Oui, donc euh, long parcours dans l'univers touristique d'aventure et puis très heureux de joindre mes forces et surtout celles de Caravanier, donc pour faire une grande équipe, donc vaut mieux s'unir quand les temps sont difficiles, alors voilà. Alors le voyage que je vous présente ce soir, le Japon, et eh bien c'est un peu le fruit de tout ça finalement, de nos expériences communes, du passé, mais avec une version améliorée, j'ose dire, avec une version à la sauce caravanier du Japon, version trekking, que je vous présente à l'instant. Je vous présente à l'instant si je suis capable de partager mon écran. <laughs> oui. Alors, voilà. <coughs> oh <là. rire> Richard, okay, c'est bon. Excusez. T'es trop parfait. On passe ça. Donc euh, Richard, dites-moi dans le chat si vous voyez en plein écran très au Japon, Kumano Alpes, Fujiyama. Bon. Parfait. Bon. Excellent. Donc euh, je synchronise aussi mon téléphone pour plus interaction. Alors, le voyage, donc je vais prendre environ là, 45 minutes pour vous parler de ce voyage. Vu que c'est une nouveauté, vu que je le connais beaucoup, j'ai voulu y aller un petit peu plus en profondeur, parler du Japon. Pour ceux et celles qui ne sont pas sûrs de se faire ce voyage, pas grave, je pense qu'on va faire une belle immersion ce soir dans cette culture-là, assez unique dans le monde. Et puis, ça sera juste une plus-value une plus pour vous, là. Et puis peut-être un jour y penser comme un rêve. Mais voilà donc le Japon sous l'angle de la randonnée. Donc, globalement, si on regarde le Japon, j'ai mis des étoiles ici sur les régions qui peuvent être intéressantes au niveau de la, du trekking, au niveau de la marche. Donc, on voit que le Japon est composé de plusieurs îles. Si je pars du nord jusqu'au sud, on a le Kaido, le reconnu hein, pour euh, tout son univers de sport hivernal, ceux qui ont l'âge, peut-être se souviennent des Jeux Olympiques de 72 à Sapporo ou ceux qui sont moins âgés, peut-être se souviennent juste de la bière, ça Et euh, eh bien c'est un super massif volcanique de montagne qui est très, très intéressant pour le trekking. Je redescends vers le centre, je suis dans la péninsule, en fait l'île principale qu'on appelle Onshu. J'ai les Alpes japonaises, vraiment petit joyau pour la rando, et un petit peu plus précisément le mont Fuji, euh, donc point culminant du pays, volcan mythique de euh, la péninsule nippone. Un petit peu plus loin, Shikoku, donc Shikoku, qui est une, une île qu'on retrouve dans le sud-ouest du pays, une île qui est réputée pour son grand pèlerinage des 88 temples. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un trek mythique, un trek plutôt à caractère religieux ou spirituel qu'on retrouve dans cette région, sur cette île en particulier, et Kyushu. Kyushu, qui était l'île la plus récente du Japon à l'âge géologique, et qui comporte plusieurs beaux endroits pour faire la rando, mais avec des thématiques plutôt volcaniques, avec des, des, des paysages qui sont plutôt d'ordre éruption, coulée de lave, etc. Donc, un Japon assez original. Et à travers tout ça, nous, il a fallu faire des choix, il a fallu prendre des décisions. Et on voulait, pour plein de raisons, se concentrer un peu géographiquement. Parce que, bon, ça reste une île qui est, à proportion du Canada, petite, mais ça reste que c'est beaucoup de déplacements. Et puis, dans un but d'approfondir notre expérience, on ne voulait pas s'éparpiller. Donc, si on regarde ça un petit peu plus loin, en résumé, donc, euh, sur quoi on s'est concentré, la trame, disons. Alors, trois régions de rando. On va retenir le Kumano Kodo, donc qui est dans la péninsule de Ki, qu'on retrouve au sud de Kyoto. On est toujours dans, sur les Donshu. La traversée des Alpes. Bon, vous pardonnerez le, le terme traversée, là, mais bon, c'est le mot que j'avais en tête. Mais on traverse pas intégralement les Alpes, mais on va y marcher pendant assez longtemps pour en avoir une très bonne idée. Et l'ascension du mont Fuji qui se fait en fin de voyage. Deux grandes villes importantes en contradiction, parce que je pense que le mot contradiction sera la thématique principale de, de, de cette présentation pour le Japon. Donc, Kyoto pour son côté traditionnel et Tokyo pour son côté moderne. Et là, je ne veux pas dire crémeux, là, mais bon, on n'est <laughs> pas loin de ça. Donc, on arrive finalement, si je regarde un petit peu plus loin, la carte. Donc, c'est un, un trait là, assez rapide là, de notre voyage de 22 jours au Japon, incluant les déplacements. On arrive sur Osaka, donc un vol qui fait normalement, là, il y a pas encore, les scénarios de vol ne sont pas encore ouverts en ce moment. Je parlerai de qu ce qui arrive avec le Japon et la COVID, etc. Mais le scénario habituel euh, que j'ai pu organiser dans le passé, c'est une arrivée sur Osaka, transfert rapide sur Kyoto, et puis retour de Tokyo. Donc, des beaux vols qui se font à Montréal, souvent avec une escale à Vancouver ou Toronto. On ne passe pas par les États-Unis, merveilleux. Et euh, on arrive d'un côté, on repart de l'autre. Et entre-temps, on a eu le temps de passer par Kumano Kodo, la péninsule au sud, les Alpes-Japonaises au centre et Fuji, euh, un petit peu plus vers l'est, avant d'arriver sur Tokyo. Donc, ça, c'est l'idée de l'itinéraire. L'histoire en arrière de tout ça maintenant. Donc moi, le Japon, c'est un pays, c'est une histoire amouraine, hein, qui a, et je préciserai pourquoi haine euh, tout au long de la présentation. Euh, le Japon, pour moi, c'est une longue histoire, une histoire qui remonte presque à 20 ans, puisqu'ici, en 2003, j'ai eu l'occasion de démarrer un restaurant fusionné de cuisine japonaise québécoise. Donc, si vous lisez les kanji, katakana et rigana, euh, vous pouvez lire ici, bienvenue, ouverture du restaurant Québec. Donc, il a euh, eu lieu en mai 2000. 3, si je me souviens bien, près de la ville d'Akita. On était dans une halte routière euh, et on a thématisé un restaurant à saveur hybride fusionné des deux cultures. Longue histoire, j'ai resté presque un an là-bas et le Japon, depuis ce temps, m'a habité littéralement. Euh, bon. Maintenant, étant dans le tourisme aujourd'hui, puisque j'étais dans la cuisine avant, j'ai décidé de retourner là-bas. J'ai eu l'occasion pour d'autres circonstances d'y retourner avant de, de, de construire notre itinéraire. Et en 2017, on a mis sur pied ce voyage et puis on l'a constamment amélioré pour arriver avec la version Carvanie actuelle. Donc là-bas, tout ce voyage ne serait pas possible sans l'unique collaboration de notre guide Camille. Donc, Camille, euh, pour faire une histoire courte, est un gars d'origine suisse qui a vécu au Québec. Je l'ai connu à l'époque en Gaspésie. Donc, il était à saint anne des monts il était guide de ski avec nos amis de Ski-Chic-Choc, avec qui on fait une belle offre de voyage, soit dit en passant, euh, en Gaspésie cet hiver. Donc, euh, Camille euh, a bien intégré la culture québécoise et était à l'époque avec ce, sa copine, qui était japonaise et qui a décidé de venir avec lui vivre au Québec à la un restaurant de sushi à Gaspé et eux partageaient la route entre temps entre les deux destinations dans notre péninsule gaspésienne. Avec le temps, on décide de revenir au Japon et puis depuis une dizaine d'années, il vit maintenant là-bas, complètement intégré à la culture, par presque parfaitement la langue, du moins à mes oreilles à moi. Euh, pour les Japonais, moi bon, encore plein de petites erreurs. Mais Camille est vraiment l'élément de transition culturelle entre nous les Occidentaux, on va dire même les Québécois, et euh, la culture japonaise locale, parce que le Japon, c'est une destination qui, a priori, nous paraît peut-être simple à voyager, mais qui est tellement remplie de codes, de particularités, que vaut mieux avoir quelqu'un qui est capable de bien faire la transition et de bien faire l'intégration de nos voyageurs, parce que ce voyage-ci était vraiment une immersion dans l'univers rando. Et culturel du Japon. Donc, une euh, bonne collaboration avec lui, <laughs> un bon ami à moi, donc depuis des années. Donc, on a pu faire des niaiseries et des entourloupettes un peu partout au sud du Japon, dont le mont Fuji ici au sommet. Et c'est vraiment mon partenaire, notre partenaire primordial pour la bonne exécution de ce voyage. On parle de. Du Japon, on parle de certains éléments culturels qui vont faire partie de ce voyage. On va voir plusieurs aspects. Mon but, c'est d'essayer en 22 jours de vous créer une immersion. Une immersion à travers ces contradictions, comme je disais tout à l'heure, ces contradictions entre autres par la surpêche, par la surconsommation, par euh, tous les enjeux environnementaux auxquels ils font souvent la sellette. Euh, entre autres comme la pêche à la baleine dans les mers du sud, la surpêche du thon etc. donc tout ce côté extravagant, tout ce côté un peu rebelle euh, du Japon au nom de traditions fortement ancrées depuis des siècles. Entre autres, comme ici, le sumo, donc la, la lutte sumo. Si c'est possible de mettre ça dans l'horaire de notre voyage, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment garantir, étant donné que les tournois ont toujours lieu vers la fin août, septembre, à peu près quand on va y être. Mais est-ce que ça correspond au moment où on sera en ville? Ben, ça, c'est une chose. Mais tous ces volets-là, on veut les mettre dans le voyage. Alors, aussi, comme la contre-culture japonaise, la J-pop aussi à Tokyo particulièrement. Donc tout cet, étant une société très conformiste, le Japon a aussi une culture très, une contre-culture très forte et très extravagante. Donc euh, ça c'est super intéressant de le saisir et ça sera lors de nos séjours à Kyoto puis Tokyo où on verra justement le côté moderne et le côté traditionnel se rentrer dedans. Euh, en termes de tradition, on parle aussi au Japon et ça c'est l'expérience que je on veut faire vivre aussi, c'est tout le côté rituel. Donc, euh, pour, euh, par exemple, moi, quand j'étais euh, cuisinier là-bas, ce qui était le plus gros clash, puisque je sortais de l'école hôtelière, l'ITHQ, THQ, j'avais appris une manière de travailler, mais au Japon, tout le côté protocolaire, rituel, emport, l'emportait complètement sur la cuisine. Donc, entre autres ici, juste le servir le thé. Chai Macha, c'est en soi un art. Okay. On pourrait voir la même chose aussi pour l'exécution de Noy Soba, l'exécution de Ramen. Tout est codé, protocolaire, hallucinant. Donc, on, vous, on essaie de voir ce côté-là un peu pété de la société japonaise tout au long de, euh, de ce voyage et ça sera aussi l'occasion pour nous d'apprendre les codes, d'apprendre les salutations. Et ça, ça sera le rôle vraiment euh, fort de Camille pour pouvoir faire en sorte que vous ne saurez pas tant que ça les Gaijin dans le terme japonais qui veut dire le tourisme avec une petite touche euh, péjorative. Donc, essayez d'avoir le minimum de codes pour avoir un minimum d'intégration, parce qu'une intégration totale au Japon est Impossible si on n'est pas né là-bas. C'est mon analyse. Euh, quand partir pour ce trek, eh ben, euh, on va viser une période en particulier. Donc, je mets ici la photo des sakura, donc les cerisiers en fleurs, cerisiers en fleurs qui ont lieu selon hein, la latitude dans le pays entre le, la mi-mars et le tout début mai. Eh ben, ça sera pas là que nous on fait notre départ. Okay? Donc, euh, j'ai choisi on a choisi trois treks, Kumano Kodo, les Alpes et le Fuji. Si on va avoir des bonnes fenêtres de météo pour pouvoir faire ça, bien, ça se déroule à peu près qu'en septembre et dans les deux premières semaines d'octobre. Okay? Parce que Kumano Kodo, c'est trop chaud euh, au cœur de l'été. Les Alpes, c'est enneigé jusqu'en juin, puis ça ferme, puis ça repart en neige à la fin octobre. Et le Fuji, eh bien, la saison officielle des ascensions a lieu entre juin et septembre. Donc, nous, on ne veut pas être là-dedans, on va être juste après. Ce qui fait en sorte qu'on a deux fenêtres de départ, deux départs possibles par année pour pouvoir faire ce voyage-là en particulier. Je rentre dans le détail un petit peu de Kyoto, donc, ville d'arrivée. Donc, Kyoto, ça sera. On peut voir Kyoto de plein de façons. Euh, dans notre voyage, on veut donner le regard traditionnel, étant l'ancienne capitale impériale du Japon. Euh, Kyoto a tout ce côté Trad qui est super important, qui est encore très présent aujourd'hui. Euh, c'est une ville qui n'est pas encore surdimensionnée en termes de population et d'étendue. C'est une ville qui est possible de découvrir à pied ou en vélo. Donc, c'est super important ou intéressant de donner cet angle-là. De visite puisqu'on va y passer quand même trois jours pleins à explorer la ville et en tout temps en vélo. C'est ce que je trouve ça quand même sympathique. Un bon petit vieux vélo chinois comme on voit ici euh, qui est l'équivalent à peu près d'un Bixi là. et on peut se balader comme ça euh, en toute sécurité dans la ville et puis avoir le temps d'explorer de, de manière quand même active cette ville qui est ancienne qui comporte plusieurs anciens rites, entre autres l'habit traditionnel, autant chez les hommes que chez les femmes, la culture de la geisha. Donc, on va apprendre à démystifier, puisque bon, c'est pas tout à fait l'image qu'on peut se, se projeter. Du moins, je ne sais pas c'est quoi l'image que vous avez en tête quand on parle de geisha, mais tout ce qui est le divertissement adulte, mais dans un contexte, on va dire impérial. Euh, de l'époque, donc qui est très noble. Euh, Qu'est-ce qu qu'il qu y en a de la Geisha aujourd'hui? Donc, ça, c'est des photos qu'on retrouve dans certains quartiers, euh, en fait, des scènes qu'on trouve dans certains quartiers de, de Kyoto qui, euh, qui, qui sont en, encore vraiment d'actualité aujourd'hui. Plusieurs temples, euh, la, donc la, la religion évidemment, bouddhiste, le bouddhisme shintoïste en particulier, plusieurs parcs qu'on va retrouver aussi autour de Kyoto, entre autres ici euh, le parc euh, d'Arashiyama et la forêt de bambou dans les alentours et la série de Tori, donc ces portes spirituelles shintoïstes qu'on trouve tout en périphérie de Kyoto qu'on pourra justement aller chercher en vélo. Donc c'est vraiment une immersion dans le Japon traditionnel, trois jours pour pouvoir s'armer en guillemets. Culturellement, en vue de ce qui va suivre, c'est-à-dire bientôt le trek du Kumano Kodo et ensuite les Alpes. Donc, on pensait vraiment que c'était nécessaire de faire une introduction à la culture avant de partir en rando. Quelques éléments logistiques, techniques, sympathiques au niveau de la, la nourriture et de la gastronomie. Entre autres ici, les machines distributrices. Donc, moi, quand la première fois j'étais arrivé là-bas, c'est ce qui m'a fasciné. Non. <laughs> Ça allait dire, t'es con. Mais euh, moi, voir autant de machines comme ça, autant de couleurs, de lumières, de petites voix qui disent euh, qu'est-ce qui se passe, tout ça. L'univers automatisé du Japon, c'est complètement pété. Et de savoir aussi qu'est-ce qu'on peut boire et manger à travers toutes ces machines distributrices, c'est en soi un voyage culturel, un voyage gastronomique. Donc, j'en ai même gardé quelques échantillons ici que. Je garde particulièrement avec intérêt, comme ici, ma petite portion de saké que je peux prendre dans ces machines distributrices. On a dans l'esprit toujours machines distributrices des restaurants. Donc, des restaurants pour simplifier le système, puis peut-être même le, le manque de personnel, hein, c'est très euh, post-Covid comme, euh, comme enjeu. Eh bien, à des très petits restaurants où on commande à partir d'une machine. Donc, une fois qu'on a commandé, on reçoit un ticket, ça confirme ta commande et puis il y a une petite passe en arrière dans le resto qui te passe le plat et puis tu peux manger ça dans un espace restreint. Et souvent, c'est des, des nouilles ou des ramens ou des choses comme ça qui se mangent très vite. Donc, on a la restauration rapide de qualité au Japon est vraiment, vraiment impressionnante. Dans, dans un autre esprit aussi, on a tous les petits comptoirs de bouffe, euh, comme ce qu'on trouve dans la plupart des villes, entre autres, euh, en particulier ici dans le marché des poissons de Tokyo. Donc, des micro-comptoirs en cinq places, on arrive, service ultra personnalisé, euh, cuisine super nichée, évidemment, quand on est dans le marché aux poissons, on, on se pose pas la question, qu'est-ce qu'on mange? Euh, des bols de sashimi, entre autres, des sushis, euh, et tout ça fait à la main, super frais. Hein, parce que la fraîcheur et la tradition, le protocole de coupage du poisson est super, super important dans ce contexte. Et là, ça va dans l'exploration de tout ce qu'on peut trouver dans l'univers marin. Là, c'est incroyable. Donc, de se promener dans le marché de poissons de Tokyo, c'est en soi un dépaysement et une expérience culturelle super intéressante qu'on fera à la fin du voyage quand on arrivera à Tokyo. Euh, on continue dans l'esprit resto. et eh bien, pour moi, et pour... La, la, la vision de caravanier, l'aspect gastronomique du Japon est primordial. Donc, on doit, autant que possible, mettre vraiment l'emphase là-dessus et essayer d'explorer tous les volets possibles de la cuisine japonaise. Donc, on a vu ici les kiosques rapides, la, tout ce qui tourne autour du poisson. On a entre autres aussi les isakaya. Isakaya, on en retrouve de plus en plus à Montréal. Ce sont des bistrots, des bistrots qui sont souvent thématisés en... en fait, c'est des tapas, on peut faire un équivalent culturel avec l'Espagne. Donc, des petites portions, très, très soignées comme cuisine, très ciblées en fonction de consommer de la boisson, entre autres de la bière et du saké, hein, du super saké, comme on en retrouve à une variété incroyable au pays. Alors, les, les isakaya, moi, les plus... On va y aller dans mon langage. Les plus pétés, les plus funky, euh, c'est ceux qui m'intéressent et c'est ceux qu'on aura l'occasion de visiter. Donc, entre autres, ici, on est à, euh, à Matsumoto. Ouais, Matsumoto, ici, donc dans l'itinéraire. Donc, je trouvais ça très coloré, très funky, très local. Très peu de touristes aussi qui vont là et le fait qu'on ait euh, Camille comme guide euh, qui parle très bien la langue et est très bien intégré dans la culture, ça me permet justement de sortir des sentiers battus des guides touristiques et des recommandations qu'on peut retrouver sur euh, tous les sites internet de voyage. Euh, voilà, donc on continue rapidement dans l'esprit. Donc évidemment le sushi comme on entend nous, c'est quelque chose que c'est bon marché, c'est quelque chose qu'on prend avec une bière en attendant son vol. C'est un peu la simplicité de la cuisine japonaise. Euh, on va y toucher, on va écouter, c'est parce que c'est sympathique, mais euh, je vous dirais que dans plusieurs sections du voyage, entre autres dans le Kumano Kodo, le premier trek, on va être plutôt dans une immersion culturelle culinaire euh, du bento. Le bento étant cette Souvent, ça peut être reproduit sous une forme d'un plateau avec plusieurs cases et plusieurs éléments euh, d'aliments variés, ou ça peut être présenté comme ça avec plein de petits plats, mais le bento, souvent, c'est entre 10 et 14 plats différents qu'on partage ou qu'on a juste pour soi avec souvent un petit élément pour griller, là, un petit faux pour griller ou un petit, petit élément pour faire des fondus. Et le bento, ça sera... Le plat principal à peu près à tous les soirs dans le Kumano Kodo, dans certains refuges des Alpes japonaises. Il faut s'entendre là-bas. Le pain avec du beurre de peanut le matin, ce n'est pas tout à fait quelque chose qu'on euh, qu retrouve facilement. Donc, il faut s'attendre plutôt à avoir un bon petit poisson grillé, des algues marinées le matin en déjeunant, plutôt qu'un bol de céréales avec des cornes de flic. Donc je vous dis ça avec un petit peu d'humour, mais c'est quelque chose qui est, euh, entre guillemets, choquant euh, si on n'est pas habitué euh, ou si on n'a pas cette ouverture-là d'esprit, puisque après 4-5 jours comme ça, il y en a certaines personnes avec qui j'ai pu voyager au Japon qui avaient le mal du pays. Pour moi, par contre, c'est le plaisir gastronomique constant, la découverte constante, toujours des nouvelles choses que je n'ai jamais pu euh, avoir l'occasion de découvrir. Fait. Il faut le voir plutôt comme ça. On vous amène dans un voyage parallèle gastronomique, c'est clair. Okay. Et je termine avec les rues comme ça, des villes euh, plus grandes, où justement on est dans les Izakaya ou dans les restaurants un petit peu plus haut de gamme, où l'on est dans l'expérience culinaire géniale. Le, Donc tout le protocole de service, tous les codes de service, les langages, les salutations etc., qu'on va apprendre, c'est génial, le Japon, d'un point de vue culinaire, mais c'est encore une fois déstabilisant. Et je finis peut-être avec cette pochette de Super Tramp. ça me faisait penser à ça, mais quand on est dans la haute cuisine, euh, on est vraiment dans l'esthétique totale, dans l'épuration totale, et ça aussi, ce sera un volet qu'on va explorer au niveau culinaire au Japon. Donc n'hésitez pas, là, posez vos questions dans le QR pendant que je parle. Euh, de tout ça. Donc, euh, j'entreprends en ce moment le premier trek, donc, qui part autour de Koyasan, donc, Koyasan, qui est une ville spirituelle, berceau du bouddhisme euh, japonais, donc, autour du 6e, 7e siècle, là, établi des moines qui arrivaient de la Chine, qui euh, ont commencé à dissiper, euh, propager euh, la, 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 la religion euh, bouddhiste. Donc, c'est... C'est une superbe ville où il y a plein de temples, où il y a plein de Ryokan, donc ce sont des, euh, des hébergements traditionnels qui accueillent des pèlerins, des touristes, évidemment, parce qu'on va se qualifier plutôt de touristes voyageurs dans notre cas, plutôt que des pèlerins. Mais on va essayer de voir tout l'aspect spirituel de ce lieu qui est vraiment très chargé. Euh, à ce niveau. Et on sera dans des riokans, un Ryokan entre autres, qui est vraiment, vraiment euh, dans cet esprit-là. On pourra assister à des cérémonies bouddhistes aux petites heures du matin, visiter des cimetières bouddhistes le soir, la nuit. Bref, Koyasan, c'est vraiment le point de départ de, 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 de la spiritualité euh, bouddhiste, mais aussi... Euh, on parle beaucoup, beaucoup de, de, de ce trek qui est en fait un pèlerinage entre la ville de Kyoto et Edo à l'époque, qui est maintenant Tokyo. Donc, les nobles, les seigneurs, etc., prenaient cette ancienne voie. Euh, et euh, on, on, justement, on va parcourir une de ces voies-là à pied pendant trois jours. Bon, je répondrai aux questions plus tard là, qui m'ont déconcentré pendant que euh, voilà. Donc, je vais répondre à vos questions les deux qui m'ont posé des questions. Je continue avec euh, Koyasan. Donc, c'est une longue mise en contexte avant que je tombe dans l'univers trekking parce que oui, c'est un voyage principalement de marche. Je tiens à le dire. Donc voilà, euh, on est dans cet esprit-là. Je disais comme super traditionnel et le tout commence d'un temple. En fait. Le trek de Kumano Kodo, c'est de relier trois grands temples qu'on va retrouver entre Koyasan et Nashi. Euh, les pèlerins les plus fervents vont faire une cérémonie à chacun de ces temples-là en les reliant à pied. Nous, on va un peu le faire, mais avec un petit regard plutôt contemplatif. On va rentrer dans un univers. De vieilles euh, pierres, comme on aime dire chez Caravaniers, donc de vieux sentiers qui datent justement du premier millénaire après Jésus-Christ. Donc des tories, donc des portes comme ça qui euh, ouvrent les, euh, les sentiers, en fait, pour se rendre jusqu'à Tokyo. Donc, c'est un trek qui dure trois jours. On pourrait le faire un peu plus long si on voulait, mais on le fait, nous, dans une version trois jours, deux nuits. Et on sera dans une immersion euh, géographique ou nature vraiment de forêts endémiques, pas endémiques mais de forêts de monoculture si je peux dire entre des cèdres et des cyprès, donc euh, qui sont en fait des, des, vraiment qui donnent une ambiance très mystique euh, au trek par le fait que euh, c'est très humide parce que c'est encore très chaud dans le sud du Japon à cette époque de l'année parce qu'on y va en septembre et c'est ce qui est toute la beauté je trouve de ce trek là, on a principalement des séjours en forêt, des fois on va ressortir un petit peu pour être plus sur les crêtes de montagne, il y aura des anciennes tea houses donc des maisons de thé qui sont toujours opérationnelles aujourd'hui qu'on trouve dans des étapes clés et ces vieilles marches qui datent de plusieurs centaines d'années. On relie deux villages qui sont des villages qui sont indépendants, disons, de, cette, de ce trek-là, mais qui vivent au rythme des euh, pèlerins. Donc, on logera dans des petits hébergements comme ça, qu'on appelle des Minchuku. Minchuku qui est un peu la version plus accessible d'un Ryokan, toujours dans cet esprit traditionnel. Départ tôt le matin, j'aime bien la photo de gauche. Qui exprime ça un peu, ce froid, humidité qu'on retrouve très tôt le matin, puis après ça, chaleur qui rentre au poste pour toute la journée. Il faut s'attendre quand même à des températures qui tournent autour de 25-30 degrés là, dans le euh, Kumano Kodo, même en septembre, et euh, des taux d'humidité qui vont entre 100 et 115 degrés. Donc, euh, voilà, euh, on est sur du, comme ça, des, des, constamment des anciens vestiges de pèlerins, de, de, de spiritualité, de vieilles pierres, comme ça, de vieux sentiers tout au long des trois jours pour tranquillement arriver vers Unchu et Nashi où là, on trouve des anciens cèdres incroyables qui nous amènent à ce fameux temple où on va aboutir notre trek. Donc, le temple, la pagode de Nashi et sa grande chute qu'on retrouve à l'arrière ici et qu'on voit un petit peu mieux ici en bas, et tout l'aspect purification spirituelle qu'on peut retrouver avec tous les rites qu'on va essayer d'intégrer, que Camille va se faire un plaisir de nous montrer pour qu'on a l'air trop gaijin, trop touriste, mais ça va être vraiment la trame de ce trek-là pendant trois jours. Donc, euh, je vais regarder deux ou trois questions en attendant. Donc, quand tu parles de trek, veux-tu parler de marche en nature ou en montagne? Oui, un trek, c'est tout ça à la fois. Donc, c'est la marche en nature, en sentier, en montagne. Le Kumano Kodo, même si ce n'est pas une grande chaîne de montagne, ça peut quand même culminer un petit peu au-delà de 1000 mètres. Euh, c'est des dénivelés, montées-descentes. Euh, c'est un univers vraiment de nature, mais dans lequel il y aura plusieurs. Justement, sites spirituels, villages, etc., qu'on va parcourir. Donc, c'est peut-être la différence par rapport aux, aux Alpes que je vais vous présenter bientôt, qui, euh, elles, sont vraiment, vraiment isolées dans les montagnes avec des refuges. Donc, là, on a le moins le côté euh, humain, le moins le côté civilisation. J'y vais avec euh, maintenant l'aspect hébergement. Donc, c'est un regard sur l'hébergement. Ce n'est pas tout l'hébergement qu'on qu va avoir pendant le voyage. Mais quand on parle de tradition, de, de, surtout dans le Kumano Kodo, puis à Koyasan, on est dans quelque chose qui peut vraiment, je pense, vous déstabiliser, comme entre autres ici, une salle à manger d'un Ryokan qu'on trouve à Koyasan. Donc, il y a le, le maître de cérémonie ou le maître euh, du repas qui va offrir le riz et les accompagnements qu'on trouve au milieu. Et les autres, qui sont nous, le groupe, qui avons des petits tapis pour être agenouillés et nos tables pour accueillir notre bento. Et ça sera les salles à manger pour la plupart des repas qu'on retrouvera dans le Kumano Kodo. Donc, je dis souvent aux gens qui ont des problèmes de flexibilité de genoux que c'est le temps de commencer à faire des exercices d'étirement, puis peut-être même un peu de yoga, puisqu'on va avoir la position assise en indien. Hein? J'utilise ce terme, j'ose le dire, ou tout simplement les genoux pliés. Et sachez que de dévoiler la paume de ses pieds au Japon est un péché mortel, entre guillemets, euh, donc est très mal vu. Alors, pour tous ceux et celles qui pensent déplier une jambe comme ça, puis déployer la paume de son pied devant les autres, c'est strictement interdit au Japon. Donc, vaut mieux travailler sa flexibilité de genoux voilà euh, donc je continue encore dans l'esprit toujours des fameux ryokans donc le, la tradition du thé la tradition des pauses reliées au thé tout ça est là tout ça est super présent dans l'esprit hébergement maintenant et eh bien la plupart des hôtels qu'on appelle Minshuku ou Ryokan là, qui sont deux équivalents là, au niveau traditionnel de des hôtels et eh bien ont leur mode avant-nuité, c'est-à-dire toujours dans l'esprit du thé, on peut s'asseoir. Tu vois ici un petit upgrade pour pouvoir appuyer le dos. Euh, et quand arrive l'heure du dodo, donc autour de 20 heures, à l'heure japonaise, eh bien, votre chambre est transformée avec des futons au sol, des couvertures très propres, très soignées. Et donc, la chambre passe en mode thé et dodo. Selon l'heure, il y a un service de chambre qui vient faire ça souvent quand on prend les repas. Donc ça, c'est très particulier au niveau euh, des hébergements qu'on aura tout au long du Kumano Kodo. Toujours ici à, à, à Koyasan, euh, il y a les salles de repos. Et beaucoup de salles de repos qui sont en immersion nature, très fenestrées au cœur de jardin central. Donc on est vraiment là dans un esprit détente, zen, comme on peut l'imaginer au meilleur au Japon. Donc, voilà. Puis aussi, ben, c'est sûr qu'un petit peu plus loin, selon les hôtels, etc., dans certaines villes, on va aller un petit peu plus à l'occidental avec des lits sur pattes, en chambre twin. Souvent, c'est comme ça. Des fois, c'est des lits matrimoniaux, donc on peut être des lits doubles. Et, euh, et donc, on, on retrouve un peu nos repères, si je peux dire. Je termine le volet euh, hébergement, repas avec ces tables-là, parce que souvent, dans tous ces hébergements-là, on est en demi-pension, donc on va manger, on va souper en fait et déjeuner dans les hébergements, puis dîner en route avec des lunches qu'on fait, nous les guides, pour le groupe. Donc, on voit ici, on est encore une fois en mode bento, en mode grillade ce soir-là, avec des petits réchauds individuels, et encore une fois en position assise, table base, pour nos repas. <laughs> Donc, avant de passer à la suite, je vais regarder comme les questions que j'ai ici. Donc, euh, quel est le niveau du trek? Alors, nous, c'est un niveau 2 à l'échelle caravanier. Donc, euh, la plupart des étapes vont aller entre 400 et 700 mètres de dénivelé, à peu près. Et on va avoir des euh, journées qui vont peut-être aller au-delà de 6 heures, à peu près. Et j'exclus le mont Fuji que je parlerai de manière indépendante après. Donc il y a peut-être une catégorie à part qu'on pourrait peut-être qualifier juste cette journée-là de niveau 3, mais sinon globalement on est dans le niveau 2 et il faut se souvenir qu'on fait globalement dans ce trek 12 jours en fait de randonnée sur 21 jours en hein, tout sur place et 22 jours de déplacement. OK. On, euh, fixe une petite intervention. Vas-y. Euh, je ne sais pas, dans, dans ceux qui écoutent, s'il y a des gens qui ont fait des, des voyages avec nous en Crète. D'ailleurs, tu pourrais, Fix, peut-être dire c'est quoi, c'est-tu Dolce Vita ou pas là? Je te laisserai euh, élaborer là-dessus. Mais euh, juste pour vous dire, ceux qui ne connaîtraient pas Caravagnier, c'est qu'on ne fait que des circuits de randonnée, non pas des circuits dans lesquels il y a des randonnées. Euh, et la différence, elle est quand même grande. C'est-à-dire que FX tantôt parle des, des touristes, des gaijins et tout. Je, je me mets toujours, j'essaie toujours de me mettre à la place des gens qui nous reçoivent. Euh, et puis je me dis, bon, ben moi, j'habite en campagne. Puis si j'ai un autobus, que ce soit même un minibus qui débarque en face de chez nous euh, ou, ou dans le village, j'habite à Sutton. Et puis je me dis, oh, es, un autobus de touristes. Mais si je vois dix marcheurs arriver, par exemple, je trouve ça le fun. Et oui, c'est des touristes, mais je suis beaucoup plus sympathique. Donc, je pense vraiment que le fait de marcher et d'arriver aux endroits à pied euh, nous rend des touristes beaucoup plus intelligents et nous permettent de rentrer en contact avec une culture qui n'est pas facile à percer. Mais quand même, cette, euh, cette twist-là qu'on qu fait partout, euh, je pense, nous permet cette… Euh, cette nuance-là. Veux-tu que je te lise des questions, FX, ou tu t'es élu et tu vas répondre? Non, je les vois là, mais complètement par rapport à ce que tu dis, c'est sûr que c'est un pas en avant dans cette volonté-là d'immersion. Ça reste qu'il ne faut pas oublier que le Japon, c'est complexe, l'intégration. Et pour ça, je tiens à dire que vraiment, Camille, notre guide, fait vraiment un pont incroyable et nous permet d'aller dans des endroits qui sont, je pense, Réservable si tu ne parles pas au japonais et voire même si tu n'habites pas au Japon. Euh, ils vont être même réfractaires à ce que tu ailles dans leurs hébergements. Donc, c'est une question de temps, de lien qu'on a construit avec, le, avec les années et qui nous permet d'aller dans ces lieux-là. Donc, c'est une combinaison de tout ça qui fait que l'expérience est sympathique, pour vrai. Et contrairement à ce moi, je l'ai vécu au Japon de manière plus touristique, ça peut être difficile. Et ça, je tiens à vous le dire, on peut être souvent confronté à des clashs culturels et ne pas comprendre ce qui se passe. Versus ici, où là, on amène un peu plus cet esprit-là. Euh, des packs, évidemment, toutes les randonnées sont en mode des packs, sauf pour les Alpes. Les Alpes, j'y arrive... OK? Donc, pendant le Kumano Kodo, on a un système et en fait, c'est des genre des taxis là, qui transportent notre valise et on est en, en sac de jour. Euh, donc, on n'a pas rien de particulier à traîner, sauf l'essentiel pour la journée et puis une fraction du lunch qu'on vous proposera. Euh, Est-ce qu'il y a des options végétariennes? Oui, c'est clair. A priori, la cuisine japonaise peut être très végétarienne. Par contre, au vol comment on appelle ça? Pespeché, en tout cas, bref, pas de, pas de poisson. Pensez-y, on pourrait en parler de vive voix en nous parlant par téléphone. Okay? Mais le pas de poisson au Japon, euh, surtout si en plus on regarde dans tous les produits dérivés, c'est un enjeu. Donc, vaut mieux aimer le poisson quand on va au Japon, mais je n'exclus pas la possibilité de, de ça, mais je. Je mets euh, quelques quelques drapeaux rouges. <laughs> euh, moi, je l'exclurais. Si vous aimez pas le poisson, c'est pas le bon pays. <laughs> c'est Ouais. Si vous allez en Italie, vous n'aimez pas les pâtes, je pense qu'on a un problème. Si vous voulez aller en Crète, vous n'aimez pas l'huile d'olive, je pense qu'on a un problème. Je pense Mais... qu'on a un problème. Moi, ouais, je pense qu'on a un problème. Merci Richard d'être plus direct que moi. Donc euh, c'est ça. Donc oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des moustiques? Oui puis non. Je ne pas euh, si vous habitez la Mauricie ou les Laurentides, il n'y a rien là au Japon. Euh, c'est vraiment pas nuisible, là. rien de particulier. Euh, surtout dans cette portion-là de l'île centrale de Honshu. Là. Si on allait plus vers le sud, oui, là, c'est plus tropical, puis c'est un enjeu, même au niveau de certaines maladies, mais là, il n'y a rien par rapport à ça. On me pose la question. Quand de base, j'ai fait le camp de base, est-ce que ça, c'est plus difficile, moins difficile? C'est plus accessible. Il n'y a, a presque pas de facteur d'altitude. On est sur des treks avec des hébergements confortables. On est sur des sentiers relativement faciles techniquement. Donc, oui, c'est pas mal plus abordable que le, euh, le, que le Népal. Donc, je continue avec cette euh, photo ici de détente. Donc, euh, je ne sais pas si a des gens qui ont déjà vu le film Baraka. En 1992, musique, ambiance, on voit les macaques japonais prendre des bains de source thermale. Et dans leur regard, on reconnaît l'homme, mais de manière hallucinante. Donc, cette photo, pour moi, avait veut tout dire par rapport à l'esprit de détente. Comme quoi, l'humain, souvent, s'inspire de la nature, s'inspire des animaux pour construire ses premières traditions. Eh bien, au Japon, c'est complètement ça par rapport au onsen. Donc, le onsen, qui est cette tradition des bains, cette tradition de la détente et du zen qu'on aura l'occasion souvent de faire euh, tout au long du voyage, souvent en en détente post randonnée là. donc euh, ceux qui me posent la question euh, bon est ce que c'est un dolce vita ou un voyage épicurien je dirais que c'est à quelque part entre les deux euh, surtout les étapes qu'on a tout ça ben là on pourrait dire dolce vita mais les étapes on est en montagne c'est peut-être plus épicurien mais les Hansen, c'est quelque chose c'est un rite en soi on, on sera briefé pour savoir quel code bien respecter lorsqu'on fera ça, mais à sachez à la base que l'être pudique euh, ou genre euh, judéo-chrétien comme nous là, euh, au Japon on est dans une autre culture par rapport à la nudité entre amis. Donc euh, sachez que tous les onsen se prennent complètement nus entre hommes séparément avec les femmes souvent séparées d'un mur et c'est des sources thermales comme ça naturelles et tout le monde se balade comme ça et il y a plein de petits codes à respecter mais c'est en soi vraiment sympa d'avoir ça à la fin de ces randonnées. Donc les vaccins, 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 euh, donc non, pas vraiment de vaccins à avoir en particulier pour le Japon. Et je ne parle pas de la COVID ici, là. Donc il euh, n'y a pas de vaccin particulier à avoir pour le Japon. On finit notre trek euh, du Kumano Kodo à IC. Donc, ici, au bout de la péninsule de qui, c'est le lieu, en fait, où l'empereur et tous les grands nobles, shoguns et autres, euh, terminaient la portion rando et ensuite embarquaient sur de grands bateaux pour se rendre à Edo. Tokyo aujourd'hui. Eh nous, on reste un peu dans cet esprit-là. L'idée, c'est d'aller au bout de l'expérience du Kumano Kodo avec la version hein, 2020 et plus. Euh, donc, on, on se posera ici, en bord de mer, et on ira avec deux expériences sympathiques euh, qu'on qu qu veut avoir. Donc, oui, bon, la, la, la porte Tori, là, les deux montagnes reliées par un câble shintoïste donc, euh, symbole d'unité ça c'est quelque chose de très puissant qu'on trouve ici mais aussi les plongeuses qu'on appelle les Amassan donc les Amassan ce sont des femmes souvent des femmes d'âge mûr qui depuis l'âge plus tendres, plus, tendre, plus jeunes, ont appris à pêcher euh, les perles et donc euh, plongent comme ça de manière traditionnelle pour cueillir les perles. Et c'est vraiment une, un élément qui, qui, qui est unique hein, qu'on retrouve au Japon juste dans cet endroit-là. Et on aura l'occasion, nous, de faire une immersion avec les autres. Donc, ça, c'est une chose. On aura aussi du sup, donc du euh, comment on appelle ça du sup? Du stand-up paddling. Donc, on peut faire aussi entre les îles de IC. Donc, ça sera dans la transition, en fait, entre le premier trek et les Alpes. Petite pause à caractère culturel. Donc, au euh, niveau des difficultés du trek, Karine, j'y ai répondu tout à l'heure. Onsen, tatou accepté, le tatou est mal vu. Okay, le tatou est beaucoup relié au voyou, à la contre-culture, etc. Donc, ceux et celles qui ont des tattoos, ça sera peut-être l'occasion de un... On vous parlera. Dans les rencontres pré-départ, il y a des manières de cacher les tattoos là, euh, au Japon qui passent très bien. Il faut savoir que quand même, dès qu'on est un gaijin, donc un étranger, il y a déjà un seuil de tolérance plus grand par rapport au fait d'être un japonais. Okay? Mais on parlera de toutes ces nuances-là dans un autre... Euh, enfin, fait, dans la rencontre pré-départ, juste avant de partir voilà j'en laisse un peu pour plus tard donc euh, le moins de transport pendant ce beau voyage donc' euh, caravanier on a quand même cette sensibilité là à l'empreinte carbone à minimiser au maximum notre euh, empreinte euh, à ce niveau là écologique et on a le plaisir ou la, la fierté de dire que dans ce voyage ce n'est que des transports publics en plus du fait que les Déplacements en, en véhicule, si on peut dire, sont limités, euh, puisqu'il y a beaucoup de sections où on vraiment, littéralement, on proche d'un point A à un point B à pied. OK? Kumano Kodo, c'est le cas. Les Alpes, c'est le cas. Fuji, on peut dire à peu près. Euh, ici, on voit un Shinkansen, donc qui est le train le plus rapide du monde pour l'instant. Peut-être dépassé par les Chinois maintenant. Euh, donc, on aura l'occasion de faire ça entre Fujiyama et euh, Tokyo. Sinon, on sera dans les trains ou certains bus, mais tout le long, on est dans les transports publics. Et le Presque, en fait. On a juste un transfert privé une fois parce que c'est très complexe de se rendre à cet endroit. Mais l'avantage de ça, c'est d'être en immersion complète avec la, avec la société japonaise. C'est de voir une société qui s'est très bien développée à ce niveau-là et de pouvoir interagir, se déplacer là-dedans. Donc, la valise à roulettes hein, pour un voyage au Japon et... Primordial, je vous dirais. Ça va à contre-sens de tout ce qu'on dit dans les autres destinations, mais il faut avoir la possibilité de se mouvoir facilement en ville, euh, puisqu'on va toujours, toujours utiliser ça. On ne sera jamais dans l'attente de notre véhicule avec notre chauffeur. On ne veut pas rentrer là-dedans. On ne veut pas être dans une bulle hermétique. Hein? Et là, j'exclus tous les termes COVIDiens, mais on veut être dans une. On veut être avec les gens. Donc, le voyage est construit comme ça et sachez aussi que ça permet une grosse économie de coûts considérant quand même que ce pays est un des plus chers au monde après l'ouest canadien. Voilà. <laughs> donc on continue, on approche notre deuxième trek, donc on passe par Matsumoto. Matsumoto est reconnu par euh, mondialement pour ce donjon. Donc ce donjon qui est un des euh, trois grands châteaux médiévaux euh, du 16e siècle qui est préservé aujourd'hui euh, donc c'est une superbe ville qui se découvre à pied long d'une rivière donc ça sera une petite pause urbaine aussi avant de se lancer dans le trek Matsumoto on aura l'occasion d'aller visiter ce château de marcher autour de voir un peu toute l'ampleur d'attraction que cette ville a, a au cœur des Alpes japonaises parce qu'on est rendu là, vraiment au pied des Alpes on est un peu à l'est. On est au sud de Nagano, ceux qui se souviennent des, des Jeux Olympiques de 98. Et on part vers les Alpes. Donc, trick de huit jours, sept jours, pardon, en autonomie. Euh, donc, en autonomie, donc on part avec l'essentiel dans nos sacs. On aura une fois un ravito, mais sinon, euh, c'est sacs de couchage et vêtements de rechange. Donc, là, on va porter un petit peu plus sur nos dos. Et on sera de refuge en refuge pour euh, tout le trek qui, qui s'en vient. Donc, le choix de... Tu sais, il y a plein d'itinéraires possibles à faire dans les Alpes. Il y a plein de choses. Vous pouvez lire plein d'itinéraires. Plein Mais avec le temps et le, euh, l'expérience, j'ai retenu deux choses. Un premier trek qu'on faisait à l'époque sur les crêtes qui était un trek qui était juste fréquenté par les Japonais. Il faut savoir que les Japonais, c'est un grand peuple de randonneurs. C'est une grande tradition pour eux autres. Euh, on les retrouve un peu partout dans le monde, beaucoup en Himalaya, les grimpeurs euh, japonais sont partout. Alors, ça part de là, ça part des Alpes. Euh, donc, il y a cette culture de refuge et c'est pas pour rien que non plus ça s'appelle les Alpes, c'est venu des Européens qui sont rentrés au Japon à la fin du 19e siècle, puis ils ont vu une chaîne de montagnes qui ressemblait à la leur, puis ils se sont dit « Hey, c'est les Alpes japonaises. » Euh, donc, nous, on va marcher de refuge en refuge là-bas et euh, on aura l'occasion d'être sur justement des crêtes. Et comme je disais, il y a plusieurs circuits qui sont touristiquement accessibles, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Pourquoi? Parce que c'est une question de réservation des hébergements. Il faut, pa faut parler japonais, il faut écrire en japonais, c'est super complexe. Donc, tout le fait de travailler avec mon ami Camille nous donne accès à tout ça et ça va nous créer une immersion complète lorsqu'on y sera. Puisque, en tout cas, moi, par expérience, les deux fois que j'ai fait ce trek là on n'était que les, On était les seuls occidentaux à marcher dans cet itinéraire-là. Il y a un autre endroit qui nous intéresse, là, je vais passer des photos là, du la première crête que je parle, qui est plus la thématique euh, locale, si je peux dire, dans cette montagne-là, sacrée. Euh, quand je dis qu'on marche sur des crêtes, ben, c'est littéralement des crêtes, là, même que des fois, c'est un petit peu euh, escarpé, on doit utiliser les mains, c'est un petit peu plus de, de scrambling, mais on va relier plein de sommets qui vont osciller en 2500 mètres, puis 3100 mètres à peu près. Il y aura toujours ces espèces de cabanes shintoïstes. Pour faire des offrandes. Souvent même les grelots, les fameux grelots anti-animaux, anti-ours, les gens les jettent là-dedans. Donc, <laughs> c'est vraiment quelque chose en soi de relier tous ces sommets. Mais l'autre trait que je vous parle ou l'autre crête que je vous parle, c'est celle qu'on voit en face, celle du Yarigatake. C est, c est, en fait, c'est le petit cervin des, euh, des Alpes japonaises qui est plus connu au niveau touristique, qui est plus accessible au niveau du booking des refuges. Et on va y faire une petite immersion rapide. Pour pouvoir faire l'ascension optionnelle de cette montagne-là, puis d'aller voir toute la vibe qui tourne autour de ça. Donc, pour s'y rendre, il faut quand même prendre des sentiers qui vont couper, mais toujours, il faut savoir qu'à part la première journée puis la dernière, on est toujours euh, au sommet des montagnes. Donc, on est rarement dans les vallées boisées. On a toujours une vue 360 degrés. Et c'est la grosse. Ah, C'est la, la beauté vraiment de ce trek là qu'on fait dans les alpes japonaises. Donc là, je passe quelques photos là, ça va vous donner une idée. Et vous voyez là toujours ces refuges qui sont plantés là, dans les cols, des fois, des fois sur simulés sur les crêtes ou dans des petits contre, dans des contrebas. Mais vraiment, on est de refuge en refuge pendant une semaine. Ça, c'est le shortcut pour aller chercher le massif du Yarigatake. Donc là, oui, on va descendre un petit peu plus en vallée. Et pour remonter ensuite vers ce pic-là qui est assez unique, il faut savoir hein, que les Alpes japonaises n'ont pas connu de glaciation. Donc, c'est une chaîne de montagne assez escarpée, assez incisive, avec euh, des paysages comme ici, là, très, très, très euh, dentelés, mettons. Voilà, donc on pose la question, sac à dos de combien de kilos pour transporter, sac de couchage, vêtements? On tourne autour de 8-10 kilos. Donc, oui, il faut avoir une euh, capacité de porter un minimum, euh, être minimaliste aussi, sachant que dans les refuges, on a de tout pour euh, notre bon plaisir et notre confort. J'y arriverai dans quelques photos pour vous décrire comment c'est dans les refuges. Je m'approche tranquillement du Yarigatake. Euh, donc euh, voilà, donc, ça sera l'objectif comme j'ai dit, c'est vraiment optionnel c'est pour nous juste un plaisir de faire un sommet mais si tu veux ne pas le faire, on vous a vu dans la photo précédente qu'on était à peu près à une heure et demie du sommet donc ceux qui sont seuls et qui ne veulent pas se lancer là-dedans bon, pas de problème, on split le groupe, les gens prennent le café le matin un peu plus longtemps, les autres font le sommet puis on se rejoint puis on redescend de l'autre côté puisque le trek va finir dans une vallée complètement à l'ouest, parce qu'on sera parti à l'est. Donc, euh, voilà, on a une vue ici du sommet, une vue sur notre refuge, sur tout l'ensemble des Alpes et la descente tranquille vers euh, Takayama, donc de l'autre côté des montagnes. Ça, c'est une photo post-rando. On n'a pas l'air si scrap que ça. Puis, ça peut vous donner aussi une image. De, bon, là, il y a la moyenne d'âge, peut-être on l'a fait à tous les tranches d'âge, ce trek-là, dans la vallée, ici, de la rivière Kamikochi, pour aboutir ici à Takayama. Donc, niveau de trek, niveau de difficulté du trek, on tient à le dire niveau 2, je tiens à le dire. On maintient le niveau 2, même si, oui, on a un peu de portage, mais c'est vraiment un trek euh, qu'on pense Accessible pour les bons randonneurs. Euh, et puis oui, on aura quelques kilos dans le dos, mais euh, c'est un plaisir qui vaut. Pas un plaisir, c'est un effort qui vaut, qui vaut la peine, euh, étant donné tout ce qu'on pourra vivre justement dans ces refuges-là. Donc, dans les refuges, service complet, donc on est soir et matin. On a les salles communes, donc qui peuvent varier, mais qui se ressemblent un peu tous. Euh, les Repas qui sont présentés souvent comme tablés commune, euh, comme on retrouve ici. Et on partage vraiment euh, tous les aliments ensemble. Et c'est très convivial, c'est multi-service souvent dans l'esprit japonais. Les refuges vont. Bon, beaucoup varier aussi au niveau des dortoirs, donc ça peut être des petites chambres, ça peut être comme ici, c'est des sections de deux, trois lits avec des rideaux pour l'intimité, euh, ça peut être, euh, bon, un petit peu plus grand comme on le voit aussi, mais toujours avec des, des espèces de cubicules. Il euh, faut savoir que dans la discipline et dans la, la déférence japonaise, à 9 heures le soir, il n'y a plus un chat qui fait un bruit. OK. Donc, euh, on a beau être un petit peu entassé comme ça. L'enjeu, à part peut-être quelques ronflements, ce n'est pas du tout un enjeu. Et, et des fois, bon, ça va varier aussi au niveau de la, de la disposition des, des petites chambres, là, mais ce sont des refuges de cet ordre-là. Donc, on est vraiment comme en Europe, pour ceux qui connaissent, là, ceux qui ont fait des treks en montagne en Europe, même esprit, mais avec une discipline supérieure. Donc, à 9h, on peut s'attendre à du bon sommeil, puisque je dis souvent que dans, le dans les Alpes japonaises, il faut en, en décalage horaire, littéralement avec ce qu'on aura vécu avant. On va se coucher à 9h, on va se réveiller à 4h30 du matin. OK? Parce qu'à 5h, 5h30, les premiers services de nourriture commencent. Et puis, les Japonais ont tendance à marcher très tôt au lever du soleil. Hein? C'est Nihon, c'est le pays du soleil levant. Donc. Euh ça marche aussi dans l'esprit du trekking. Voilà. Donc, j'arrive à notre point final, mon Fuji. Euh, et là, je réponds à la question, au nombre maximal de personnes, on est entre et 12 personnes par groupe. Donc, Fujiyama. Le Fujiyama, pour moi, c'est une longue histoire. Donc, dans les 20 ans, que j'ai pu passer aléatoirement au Japon. Bon, J'ai fait quatre séjours là-bas et à chaque fois, pour moi, il fallait aller grimper le Fuji. Donc, euh, en 2003, je l'ai fait en plein cœur de l'été, je n'ai pas de photo de ça, je n'ai les mettre. Euh, on était 5000 au sommet, c'était, je pense, le 4 août 2003. Euh, toutes les, les pèlerinages, les groupes tels ainsi et ça, puis là, tout le monde allait voir le lever du soleil. On était littéralement 5000 à prendre des clics les clics clic pour le premier rayon, c'était la, la folie. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans, mais n'est pas nécessairement quelque chose que je voulais reproduire dans notre voyage au Japon. Euh, je l'ai eu l'occasion aussi de le faire ici euh, en, en plein février. Donc, je pense que Facebook me rappelait ce matin d'ailleurs que ça faisait exactement 10 ans que j'avais fait le. Le Fuji l'hiver pour Greenpeace International. Donc, j'avais été contracté par Greenpeace pour mener une, une équipe d'activistes pour faire l'ascension du Fuji. Vous savez, Fukushima, donc la tragédie de 2011, une tragédie nucléaire. Greenpeace est intervenu un an après pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'activité nucléaire au Japon. Ça a vraiment déstabilisé le pays. Euh, ça a été une, une action qui a été assez médiatisée, mais qui avait vraiment été faite dans les règles de l'art pas trop déstabiliser, pas trop casser hein, la déférence, mais en passant un message euh, juste assez subtil pour que ça, ça marche. Il faut savoir qu'à l'époque, le Japon avait décidé de stopper 28 de ses 34 réacteurs nucléaires et avait demandé à la population japonaise, pour faire un lien avec mes machines distributrices, d'arrêter les... Lumière de ces machines distributrices-là, d'arrêter toutes les voies automatisées qu'on trouve dans les ascenseurs, dans toutes les gugus. Et informatique électronique, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, tout a une voix pour te dire bienvenue dans l'ascenseur, à quel étage veux-tu aller, etc. Donc, en coupant juste toutes ces choses-là, toute cette consommation d'énergie-là inutile, il avait réussi à vivre pendant une année sur six réacteurs nucléaires, alors que normalement c'était 34. Donc, euh, quand même, bravo. Alors, je suis assez fier de dire qu'on a pu s'engager au niveau environnemental là, à ce niveau-là. Euh, pour moi, le Fuji, c'est aussi euh, des liens, des liens que j'ai pu créer avec le temps ici, entre autres avec Sato, Sato San, donc qui est le tenancier d'un refuge qu'on utilise pour euh, se planter avant euh, l'ascension du Fuji. Donc, on loue sa, sa cabane et on en fait l'ascension, donc avec le temps 2012, 2017 et d'autres années. On voit qu'il s'est teint les cheveux ici, là. <laughs> Petit Sato. Donc, c'est un montagnard, c'est un tripeux, c'est un, 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 un amant de la montagne. Et, euh, et il, a, il accepte particulièrement de nous ouvrir les, les portes de son refuge hors saison. Parce que pour faire l'ascension du Fuji, on vous propose d'être hors saison, donc d'être hors la loi japonais. Euh, C'est-à-dire qu'eux autres, passé le 15 septembre, la, main, la montagne, elle est fermée. Ça ne veut pas dire que c'est interdit d'y aller. Mais il ne faut pas y aller. C'est la petite nuance de la culture japonaise. Euh, donc, il faut savoir que jusqu'au 15 septembre, il peut y avoir 3-4 000 grimpeurs par jour. Puis, au 16 septembre, bien, il en reste 20. Euh, puis, nous, on, on sera 10-12 là-dedans. Donc, c'est vraiment, vraiment un méchant contraste. On veut vivre le Fuji dans cet esprit-là. On ne veut pas y aller avec les 3000 personnes. Okay? Et on veut vivre cet esprit unique de refuge, de montagne qu'on peut avoir au Japon, qui va dans l'esprit des grands alpinistes et tout. Pas tant que Sato l'est, mais que toujours rêver de l'être, je vous dirais. Et on va partir aux petites heures du matin pour se rendre vers le point culminant du pays le mont Fuji à 3776 mètres d'altitude. On va passer à travers une série de torii, donc des portes comme ça, toujours dans un esprit d'atteindre une certaine divinité, dans l'esprit shintoïste encore, et d'aboutir sur la caldeira, donc le sommet du, euh, du volcan, le plus haut du Japon, euh, et pour en faire le tour. Donc on va faire vraiment le tour du cratère, voir... 360 sur l'île, parce que quand le paysage le veut, quand la vue est ouverte, c'est une incroyable euh, euh, perspective qu'on peut avoir du haut de cette montagne-là. Célébration en top et redescente. On sera sur une petite ville là, qui est au pied d'un des lacs qui nous permet d'avoir aussi potentiellement, si c'est dégagé, une superbe vue sur la montagne. Petite Question ici. Donc, sagit d'un sac de couchage qu'on appelle un torchon? Euh, je, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, un, un sac de couchage, sac de couchage. Donc, on, vous avez votre sac de couchage. Euh, un torchon peut-être vous référez à un drap d'auberge, un sac à viande. Donc, oui, dans certaines circonstances, euh, c'est possible d'avoir juste ça, mais il faut prendre les couvertures de la place. Donc, on, nous, on suggère d'avoir un petit sac de couchage compact pour la euh, lénuité dans les Alpes et la nuit en refuge ici. Euh, J'invite tout le monde à poser ses questions sur le QR parce qu'on n'aura pas, à moins que Richard, tu vois, dans le fil de chat, euh, les, les questions, mais pour moi, c'est impossible de les voir. Donc, euh, voilà. Je continue et je termine avec Tokyo. Donc, Tokyo, c'est une photo achetée, là. je l'avoue bien, là. OK, mais Tokyo, euh, c'est quoi les villes autour? Yokohama, trois villes qui composent la grande périphérie de Tokyo, c'est 35 millions d'habitants. Euh, moi, j'habite dans un village de 4000 habitants. Richard habite à Sutton. Quand tu arrives là, c'est la population du Canada que tu as dans une ville. Donc, ça donne la nausée. Euh, mais moi, pour moi, il faut voir Tokyo en pleine face. Il faut la voir... Dans son côté le plus futur, le plus fou. Donc, on ne passera pas des tonnes de temps à Tokyo. Si les gens veulent prolonger, ils le feront. Mais notre regard, notre angle euh, lors du séjour de deux nuits là-bas, ça sera la modernité. Okay? Et la modernité qui rentre complètement en clash avec la tradition. Et cette contradiction-là, pour revenir à ce que je disais au départ, dans la société japonaise, c'est fondamental. Il faut oublier que c'est une, une société qui était fermée à l'étranger jusqu'en 1890 à peu près, à l'arrivée des premiers Hollandais portugais. C'est une société qui s'est difficilement adaptée au monde extérieur étant insulaire. Et, euh, et bien la modernité est arrivée parce que, bon, il y a plein d'histoires, la Seconde Guerre mondiale, la présence des Américains, plein de choses. Et on sut su vraiment se développer de manière hallucinante. Donc, on va voir le Japon sous cet angle-là. Entre autres, ici, prendre un apéro hein, au top de l'hôtel de ville, au je sais plus, 65e étage à peu près, puis d'avoir vraiment une impression d'être dans Blade Runner, <laughs> littéralement. Euh, on ne le voit pas, mais il y a souvent euh, beaucoup, beaucoup de bâtiments qui ont des, gros écr des écrans géants avec des personnes qui parlent. Live. On est vraiment là-dedans. Il manque juste les autos volantes, je vous le dis. Euh, beaucoup de Beer Gardens sur les, les, les toits. Euh, on est vraiment dans ce côté futur. Je pense que la prochaine photo le montre aussi, côté extravagant des jeux, etc. Il faut comprendre que Tokyo est une ville. Une cité euh, basée sur les affaires, sur le développement des grandes compagnies, et il y a tous les centres-villes. Il y a plusieurs centres-villes dans le Grand Tokyo, et tu as les tours à bureaux et tu as les zones de divertissement autour. Donc, dans la société japonaise, souvent autour de basée autour des hommes. Hein. C'est malheureux, mais c'est ça. Donc, il y a tout ce qui est bon pour eux. Donc, aller travailler. Ensuite de ça, au retour avant d'aller à la maison, se divertir. Et après ça, retour à la maison et l'inverse, comme ça, donc cette espèce de respiration jour-nuit qu'on retrouve à Tokyo et d'aller en fin de journée, en, en soirée tardive à Tokyo pour voir un peu tout ce côté-là euh, hallucinant, ben, c'est en soi une expérience culturelle qui en vaut fortement la chandelle et on aura l'occasion de le faire amplement en vous amenant en plein endroit, entre autres dans cette super intersection de Shinjuku. Donc, euh, intersection à six voies, où là, tout est rythmé. Donc, c'est-à-dire que les six voies arrêtent en même temps pour les voitures. Après ça, c'est les piétons qui traversent. On a vu ça dans plusieurs films. Euh, donc, de tout... bref, vraiment, petit côté moderne qu'on aura à Tokyo pour finir le voyage. Voilà. Donc, je suis où Il a plein d'autres questions. <laughs> Euh, je finis, je, je vais finir avec une dernière slide au niveau du prix puis euh, la date de départ, mais je vais répondre aux questions que je vois ici. Donc, euh, sachez, là, tous ceux qui ont des questions par rapport à l'itinéraire exactement, donc on vous enverra un lien, tous ceux qui étaient présents à la rencontre ce soir. Vous aurez un lien le 16 février, c'est jeudi, avec le, la page du site Internet. Donc, pour plein de raisons. Euh, on n'est pas arrivé à pondre ça pour ce soir. L'itinéraire, le voyage est construit, mais il n'y a pas encore 100 en ligne. Donc, vous aurez tous ces détails-là, à savoir le nombre d'heures, le kilomètre par jour, etc. On tient encore à le dire, c'est deux, niveau 2 deux, au niveau de l'engagement physique. Okay. Puis peut-être une petite catégorie à part pour le Fuji. Fuji qui, en moyenne, prend 5 à 6 heures de montée à partir du refuge pour la moitié moins pour redescendre. Donc, c'est une balade, entre guillemets, un trek de 7 à 9 heures. J'y vais très large. Là. Okay. Euh, donc, c'est certainement la journée la plus intense. Quelle est la température en haut du Fuji? Bien, la température en haut du Fuji pourrait flirter avec le zéro degré. Mais dès que les premiers rayons arrivent, dès que le, le, la journée est établie, on est, on est sur des températures confortables à 5-10 à peu près. Donc, ce n'est vraiment pas un gros enjeu au niveau de la, du, euh, du, euh, du dénivelé, euh, du dénivelé de la montagne, des températures. Euh, L'ascension, c'est 1250 mètres à peu près. Notre refuge est à 2500. On monte à 3776. Donc, c'est 1200 de montée, mais c'est une montée très efficace, très en zigzag. Et puis une voie de descente qui est dans un pierrier volcanique qui se fait très bien, qui est très souple pour les genoux. Ceux qui ont, qui ont plus de genoux après s'être agenouillé sur des tables basses pendant 20 jours. <laughs> Rendu-là, ça va être bon pour vous autres. Euh, Est-ce possible de respecter un régime sans gluten? Ah non, non. <laughs> C'est bien, je prends cette question-là parce que je suis tombé dessus, mais euh, sans gluten, c'est parce qu'il y a tellement de produits dérivés. Là. Vous savez, là, les sauces soya de ce monde, tous les petits produits qu'on retrouve au Japon, là, à dire qu'il n'y aura pas de gluten là-dedans, c'est tough. Il faut quand même voir que tout ce qui est pâtisserie au Japon, tout ce qui est boulangerie, c'est bien, bien rare. T'sais. Vraiment, des tranches de pain, c'est bien rare à avoir au Japon. Des croissants, ça existe juste à Tokyo. T'sais. Fait que. C'est ça. Mais je sais que du gluten, des, des, des choses à base de farine, il y en a partout. Là. Fait que ça, c'est un enjeu. On en reparlera euh, en, en cas par cas. Euh, 2023, oui, ça y sera. Première édition, donc, c'est euh, cette année, parce que je veux juste parler du déconfinement japonais et de l'ouverture des frontières. Et avant de tomber sur la prochaine slide, ben, je peux mettre la même là. Ensuite, on voit un ordre d'idées. Donc, départ 24. Septembre 2022, prix autour de, 20, de 8 000. On a pas en, il manque une variable pour arriver avec un prix fixe. On parle de. On est à 100 près. Là. Donc, ça peut en bas de 8 000, un petit peu en haut, un vol autour de ce prix-là. Et voyage en ligne à partir du jeudi 16 février. Euh, mais si je reviens avec. Euh, je disais quoi, Richard? J'avais une idée, moi, là. Je pas. Tu parlais du gluten. Non, pas non, ça. non, après ça, <laughs> <le> soir, ça <laughs> alors, Je parlais alors, de. Non, 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 bref, ça me ça des, 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 des départs, le voyage en ligne, euh, on parle de septembre. Euh, et puis, euh, ben, en fait, euh, ouais, moi, je, peux, donc, je peux juste compléter tu ton idée. Vas-y, vas-y. Euh, on n'a qu'un départ. Euh, en fait, tu parlais des, des idées de déconfinement et tout. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Mais moi, je peux juste vous dire que. Par expérience, euh, nos nouveaux voyages, euh, les premières, euh, premières éditions, ce n'est pas un truc de vendeur, là, mais ça, 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 ça part très rapidement. C'est un choix qu'on a fait. On a dit on prend la, 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 la fenêtre optimale euh, et puis on aurait pu essayer d'y aller au printemps, mais on n'est pas sûr du déconfinement et tout. Euh, FX va vous en parler, mais septembre, c'est optimal. Puis donc, pour nous, c'est une date. Euh, et puis, euh, ben, attendez pas trop parce que 12 personnes euh, avec, euh, avec tous les gens qui sont là, non seulement ce soir, mais ceux qui ont demandé des infos euh, à l'avance, euh, je pense que ça va se remplir rapidement. Tout à fait. Puis c'est ça que je veux dire par rapport au déconfinement ou l'ouverture des frontières japonaises. Donc, le timing est suivant. C'est-à-dire que le Japon est en ser... Bon, le Japon vit en ce moment son pic du variant micron donc il est peut-être décalé hein, par rapport à nous donc si on voit un peu là on dit, bon, ben, les autres sont trois semaines plus tard que nous bon ben on parle qu'au courant d'avril mai mais plus probable euh, que les premiers, premières ouvertures à du tourisme étranger le Japon aussi à travers le Japan Board of Tourism est en train de former les gens à comment réaccueillir les étrangers Surtout avec deux volets, entre autres le volet du tourisme orienté plein air. Donc, toujours dans l'esprit COVID, hein, de dire d'être dehors, d'être dans un environnement aéré, etc., euh, de moins dans des croisières ou dans des touristes d'hôtel, etc. Donc, comment s'adapter pour pouvoir adopter un tourisme qui est orienté plein air? Donc, c'est très bon signe en vue d'une ouverture du Japon cet été. Donc, étant, étant donné qu'on a un départ en septembre, on est super confiant. Et là, vous comprendrez bien qu'il y a évidemment une zone de, 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 qu'on qu ne connaît pas, mais on est très confiant de pouvoir partir dès euh, cette année. Voilà. Euh, donc, là, plein de petites questions. On entend une musique, je ne vous entends presque plus. <laughs> non, je pense que c'est ça, ça, <laughs> ça. Je ne sais pas si c'était vrai, mais... Ah ouais? OK. Parfait. Trois treks. Bon, oui, un sac de 50 litres, ouais, 40 à 50 litres à peu près pour le trek des Alpes. Mais sachez qu'il y a beaucoup de treks qui sont en, euh, en mode euh, randonnée à la journée. Donc, euh, voilà. Et ça, tous ces petits détails-là, là, ils vont être clairement écrits sur le site. Euh, puis aussi, on aura l'occasion de faire une rencontre pré-départ pour pouvoir poser et répondre tout. Euh, ces questions. Sac de couchage, quel degré, etc. On est en refuge. C'est des refuges qui sont a priori chauffés. Donc, euh, c'est des petits sacs de couchage là, juste pour être confortable s'il fait euh, 15 degrés à l'intérieur, par exemple. Donc voilà. Euh, je continue à regarder vos questions. Je vous remercie de votre attention. Vous recevrez un lien, donc, avec euh pour le site, sur la page du voyage sur le site internet ce jeudi d'ici là si vous avez des questions particulières vous pouvez nous écrire je peux écrire aussi mon adresse courriel euh, vous, ouais, je vais écrire mon adresse courriel dans les deux là, dans le QR et dans le chat si vous avez des questions particulières puis sinon ben «Domo mon obligatoire ce qui veut dire merci beaucoup puis euh, ben, au plaisir d'en reparler. Donc, je reste encore un cinq minutes pour prendre vos questions. Puis ben, merci pour les autres. T as -tu quelque chose à rajouter, Richard Tu veux que je trouve des questions On okay. ouais, trouve être une trente questions Ah oui, ok. Bon, les gens, les gens <laughs> ont l'air d'être intéressés. Une question quelle est votre politique d'annulation au sujet de la COVID Ah. Euh, tu peux répondre si tu veux, je te laisse ça. affaires <à> La <fin. rire> euh, politique annulation, COVID, ben, c'est-à-dire que si, ben non, je ne peux, peux pas répondre vraiment à ça. En <laughs> fait, on, on s'en remet, il faut savoir qu'à partir de maintenant, là, on s'en remet avec les assurances. Donc, évidemment, si euh, on ne va pas jamais de mettre le, le statut confirmé du départ tant qu'on n'aura pas une garantie que les frontières sont ouvertes. Okay? Donc, on, sera, on va attendre ce moment-là. Par contre, c'est sûr que les inscriptions, avant, on peut les prendre, on peut faire le processus, etc. À partir du moment où on sait que le pays est ouvert, ben, c'est go. Donc, après ça, on s'en remet aux assurances voyage. Puis, ben, dans l'éventualité je ne sais pas, moi, il y a un variant PI, un variant Zébulon, whatever, ben, là, ça, malheureusement, ça va devoir s'en remettre aux assurances. Euh, mais on attend d'avoir vraiment la fenêtre de certitude avant de se lancer dans cette étape. Ce n'est pas en ce moment le cas. Mais ça vaut la peine quand même de procéder à l'ABCDR de l'inscription. Hein. Puis après ça, ben, en mai, on réouvrira officiellement euh, les dépôts, puis etc., toute la, euh, toute la patente. Là. Donc oui, à partir du moment où c'est ouvert, euh, c'est politique au niveau des assurances. Euh, oui, donc c'est ça. Donc soit cette année ou l'an prochain, oui, tout à fait. Ça, ça va être un... L'an prochain, cette année, c'est parce qu'on a un groupe privé qui part le 3 septembre. Euh, donc, c'est pour ça qu'on n'a qu'une date. Euh, L'année prochaine, on aura deux dates. Parce que vous savez, ma, ma tranche de départ est très ma tranche, Notre tranche de départ est très précise, c'est septembre, mi-octobre. Donc, on ne peut faire que deux groupes. On ne peut pas dédoubler Camille, on ne peut pas dédoubler nos accompagnateurs. Fait que c'est vraiment euh, dans cette fenêtre de temps. Quand on est seul, peut-on se joindre à une autre personne seule? Oui, fait. en fait, c'est notre problème. C'est notre c est, c est, c est, c est, sur un groupe de 12, là, il y a à peu près euh, deux couples puis huit personnes qui sont seules. Fait que vous pas avec ça. Clairement. Euh, T'es-tu sur le QR? Oui, okay. ouais, QR. Est-ce que les repas sont inclus? Donc, euh, au, niveau, oui. au niveau des repas, donc, euh, tous les repas en trek en séjour de, de refuge, tout ça, c'est 100% inclus. Quand on est en immersion urbaine, donc à Kyoto, à Tokyo, à Matsumoto, donc euh, quelques moments comme ça, les soupers seront libres. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous, notre vision du souper libre, c'est pas que tu pars de ton bar, t'as démerdé, non. C'est qu'on euh, propose et on réserve souvent pour tout le monde un endroit, mais la facture est libre. <laughs> C'est-à-dire qu'au Japon, tu peux n'avoir pour un. Le spectre de budget est très large au niveau de la nourriture. Donc, si toi, tu veux une salade verte parce qu'il n'y a pas de poisson et pas de gluten, ben, tu as ça. Par contre, si tu veux y aller dans une expérience euh, isakaya avec des sakés de réputation internationale, ben là, tu as ça aussi. T'sais. Donc, on laisse le budget libre. On ne voudrait pas faire. Un, un voyage où on, on tranche pour la valeur des repas quand on est en ville. Donc, Michel Rousseau, il n'y a pas de taxe à ajouter sur le prix de notre voyage. OK? Donc, euh, ce n'est pas taxable qu'on est à l'étranger. Donc, on parle d'un prix, là, sérieusement, un prix entre 7 950 et 8150. C'est la tranche. C'est juste une variable qui va peut-être faire changer dans ce spectre-là. Okay? À peu près, je vous dis bien là. Donc, il n'y aura pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Donc, pour les supp, quel budget on a, écoutez, je vous dirais qu'au Japon, on mange correctement à 25-30 dollars, Correctement. Mais si on veut se faire une expérience culinaire, c'est sûr que là, ça part sur du 50-60 facile. À peu près. Donc, on est dans les 20 millions. Ça vous dit quelque chose? Euh, voilà. Euh, on ne part pas nécessairement sans... Donc, le départ, oui, nous, on, va un, on offre une possibilité de voyager en, en, avec un vol de groupe, avec des dates précises, mais on suggère fortement aux gens qui veulent devancer ou prolonger. Donc, devancer, c'est sûr, c'est intéressant pour pouvoir se mettre au... Euh, S'adapter au, au décalage horaire, euh, découvrir un petit peu plus en profondeur Kyoto. On aura quelques traces, quelques, quelques indices aussi pour vous, vous orienter là-dedans avant. Pour savoir, pour refaire les mêmes lieux. Et même chose à, à Tokyo. Donc, oui, on va donner une thématique complètement urbaine à Tokyo, tout ça, mais Tokyo, on pourrait y rester un, une semaine. Mais on n'est pas des guides euh, de ville. Donc, on, on aime bien un petit peu une dose, là, mais pas trop. Mais on peut vraiment vous suggérer plein de belles choses à faire en extension à Tokyo, voire même ailleurs. Donc, oui, les prolongations et euh, de, pour devancer le voyage, ça sera très possible et ça sera fait au moment de réserver le vol. Mais a priori, il y a un vol de groupe à l'aller puis au retour. Puis on a très bon, on a souvent des très bons prix et même des bons itinéraires là, pour pouvoir euh, correspondre à ce voyage en particulier arrivé sur Osaka, retour de Tokyo. Je pense que ça fait pas mal le tour. Là. Ouais. Oui. Bon ben. Bonne soirée tout le monde. <laughs> Merci tout <le> monde. <laughs> Et puis, au plaisir euh, de, de répondre à vos questions par courriel. Puis, on, on se reparlera certainement à partir du 16 février lorsque vous aurez reçu le lien de la page du voyage. Sayonara! <laughs>